Bonjour. Bonjour, la reine Poutine. Merci et bon début de semaine à vous aussi. Bonjour TikTok. Après une très longue absence, je suis là. J'ai beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous me suivez. Vous avez déjà commencé, vous avez commencé à me suivre par la spiritualité. Bonjour Nadria. J'enseigne ce qu'on me demande d'enseigner. Bon, dans cette saison, les ancêtres m'ont notifié que beaucoup d'entre vous, vous êtes déphasés. Donc, vous croyez que tout va se passer seul. Ok, comme je me lave avec le sel. Ça va, voilà, l'argent va tomber du ciel, ça va me trouver à la maison. Et il y a beaucoup de choses que vous ne... Je sais pas comment je peux dire. Vous mettez pas l'accent sur ces choses-là. Bonjour Stéphane le Kamite. Bon, je vais enseigner sur le temps aujourd'hui. Je parle du temps. C'est vrai qu'au départ, vous allez me dire, mais le temps, c'est quoi? Le temps, c'est... Dieu est tellement juste qu'il a donné tout à tout le monde en même quantité. Et ce qui fait la différence entre l'Afrique et tous les autres continents, chaque jour les Africains vont dire on a toutes les ressources, on a. Et en fait, c'est comme si on se leurre, c'est comme si on se voit les yeux. Si vous me regardez sur TikTok, TikTok, s'il y a déjà un plan sur 10 ou 15 ans ou 20 ans, vous me regardez sur Facebook, vous êtes sur Facebook, moi je suis sur Facebook depuis au moins 10 ans, vous savez que Facebook a évolué. Facebook a évolué. Avant, on ne payait rien sur Facebook. On venait seulement mettre sa photo, on faisait le selfie. Aujourd'hui, ils ont évolué, ils ont aidé à créer Meta. On achète les terrains maintenant sur le net. Il y a les terrains en ligne maintenant. Et s'il y a quelque chose qu'on ne nous a pas appris en Afrique, c'est comment gérer notre temps. Ton temps doit être mélangé avec la vision. Parce que si je sais là où je pars, j'ai 1 heure en attendant mon avion. La façon dont je m'occupe sera influencé par là où je pars. La façon dont j'approche les personnes. Quand j'arrive dans un pays et que je viens seulement bosser, je suis perdu. Le matin, je vais rester au lit jusqu'à 9h. Je vais attendre que ma cousine qui m'a accueilli me réveille pour dire, lève-toi aussi. Mais si je sais ce que je suis venu chercher, 4h30, je suis déjà debout. Je veux que vous compreniez que votre destin est entre vos mains. Et ça se trouve dans votre temps. Je parle chaque fois que je fais le lavage du sel. Beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas. La spiritualité est mélangée avec le mindset.
C'est pour ça que tu avances, tu retournes en arrière. Tu avances, tu retournes en arrière. Et quand tu es aligné dans ta tête, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de, je dis encore, temps. Maintenant, je veux vous apprendre comment être conscient. Vous avez perdu beaucoup d'années dans votre vie. On est dans la meilleure des époques. Hein. Tu peux tout apprendre en ligne. Il y a des gens que les enfants partent à l'école en ligne. Il y a des gens qui restent à la maison et gagnent 10 fois plus que toi en ligne. Parce qu'ils ont appris à maîtriser leur temps. Et si vous ne remarquez peut-être pas, la société est en train de faire que vous poussiez vos enfants à partir dans la même chose qui vous a enterré. Voilà, tu prends le sac, tu mets sur l'enfant. Tu prends le pain, tu mets dans son sac. Tu prends la goutte rose ou la goutte bleue, tu mets sur l'enfant. Ah, tu es beau, hein. Tu prends la photo, tu prends le téléphone, tu fais le selfie. L'enfant sort de chez toi à 6h30. Les cours commencent à 8h. De 8h à 15h, demande à l'enfant ce qu'ils ont fait. Oui, maman, on a mangé, on est parti jouer dans la cour. Après, j'ai joué avec mes amis. Après, on a un peu dansé. Après, ne soyez pas éblouis, impressionnés par les petites choses qu'on apprend à vos enfants à l'école. L'enfant rentre de l'école à 17h. Il part, il est fatigué, il joue un peu dehors encore, la cour avec les enfants. Il revient, regarde 2-3 dessins animés. 20h, tu prends l'enfant, tu dis, va te coucher. Well done. L'enfant a fait quoi? Est-ce que tu connais l'enfant là que tu as dans ta maison, que tu es en train d'élever là? C'est un prochain salarié. On m'a envoyé pour soulever une génération de personnes qui va briser les malédictions générationnelles. Même si tu dis que tu veux l'argent, ton temps doit être converti en argent. Ça, c'est M. Fosso qui dit que tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Même l'argent ne se gagne pas comme ça. Tu dois mettre la stratégie. Tu dois mettre la stratégie. Je vous prends encore l'exemple de Facebook. Quand vous avez commencé à regarder Facebook ici, je vous dis, dans 3 ans, TikTok ne sera plus TikTok qu'on connaît là. Je suis sûr. Ils ont déjà un plan bien défini. Ils attirent les gens sur leur réseau. Venez, 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 venez. Venez. Venez, venez, venez. Devenez accro à TikTok. C'est gratuit. C'est gratuit. Parce qu'ils ont un plan. Ce plan vous sera révélé petit à petit. Bonjour John Mont, merci pour les roses. Ne fonctionnez plus seulement comme des brebis perdues. Tu te lèves le matin. Vos enfants sont derrière toi à côté pour partir à l'école, non? N'est-ce pas? Ceux alors qui me nervent plus que tout, c'est ceux qui se couchent, ils dorment, ils disent qu'ils attendent le temps de Dieu. Bonjour Steph. Je suis revenu là où je peux travailler sur TikTok, donc on va dire que les directs TikTok ont repris. Tu attends quoi? Non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Tu trouves la personne en route, il est là, il ne fait rien. Tu le trouves sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Écoutez, hein, soit vous venez sur les réseaux sociaux pour consommer et donner votre argent. Soit vous venez pour... Hier, je vous ai donné l'exemple de quoi dans le direct. L'internet que tu payes ton argent pour mettre sur ton téléphone. Vous tous, vous payez. Même si tu es parti voler internet, le wifi chez quelqu'un. La personne paye.
Amandine, si tu veux le traitement pour briser les malédictions générationnelles, tu vas prendre le kit fondation. Prends le kit fondation, tu fais ça avec 7 jours de jeûne. Aujourd'hui, je veux mettre le mindset qui va accompagner les produits spirituels que je vends. Je vous ai dit, vous ne devez pas être seulement spirituel et comme ça. Je vous ai dit hier que quand tu prends 1000 francs, tu mets dans ton téléphone, ou tu payes ton abonnement d'Internet 50 euros le mois, 45 euros le mois. Tu as pris un argent, chaque jour tu as acheté un ticket pour entrer dans Facebook. C'est comme si tu partais à la fête. On dit que le ticket à l'entrée c'est combien? 2 euros, tu sors 2 euros de ta poche, tu donnes, tu entres. Et quand tu entres dans cette place, tout le monde est en train de danser. Oh, certains sont là, ils regardent d'autres. Ils sont assis, ils sont là, en train de regarder. Tu vois, 10 millions de vues, 50 millions de vues. Tu passes, tu regardes. Tu passes, tu regardes. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu peux décider que le ticket que j'ai acheté, que moi j'ai acheté, tout le monde dans la pièce a payé 2 euros. C'est un peu 2 euros, il vient de se faire 2000 euros. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, j'entre, je paye mes 2 euros. Souvent, certains d'entre vous, vous payez encore même 200 euros. Vous êtes entré dans cette plateforme où vous avez passé le même temps en ligne. Mais quelqu'un avait une stratégie. Toi, tu marchais comme un gars qui est perdu, élan comme ça là. Certes, on fait, il y a les malédictions générationnelles. Oh, il y a les ceci. Mais à un moment, toi-même, tu dois comprendre. On peut te délivrer 50 fois. Tu peux acheter tous mes produits, tu fais. Je te lave, je fais n'importe quoi sur toi. À la fin, tu ne fous rien. Parce que dans ta tête, il y a quelque chose qui est un peu erroné. Il y a un programme qui est erroné. Parce que tu penses, tu n'as pas bien vu. You're not thinking right. Vous devez convertir votre temps en argent. Et pour cela, vous devez vous asseoir. Je sais que ça, c'est les questions que vous ne vous êtes presque jamais posées. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je serai dans un an? Ce n'est pas à l'école qu'on va vous dire ça. Faites asseoir votre enfant de 5 ans, votre enfant de 10 ans, votre enfant de 15 ans, ton fils de 30 ans que tu payes encore tout pour lui, là, il est à la maison. Bonjour, monsieur Boubs, depuis le Gabon. Tu pars où avec ta vie? Dans un an, 2023, tu seras où? Décembre 2023, quelle sera ta fortune? Parce que de maintenant à octobre 2023, tu auras 365 jours. Si on fait la multiplication, tu multiplies en heures, ça va te donner un nombre d'heures. Tu multiplies en minutes. Attendez, je vais calculer ça pour vous. heures. J'ai l'impression que c'est petit. Maintenant, si on multiplie 8760 heures, une heure fait combien? Ça fait 60, non? On multiplie ça par 60. On aura 525 600 minutes. Bonjour, Sangaré depuis New York. Les principes que je vous enseigne ici sont valables peu importe le continent où tu te trouves. John, mon numéro de téléphone, c'est le 00237 693 50 22 66. Donc, dans 525 600 minutes, tu seras où? Tu auras quel argent? Parce que les gens qui nous contrôlent avec ces plateformes-ci, même certains gouvernements, ils se sont assis, ils ont vu là où ils veulent vous amener. El Mancio,
grâce au lavage, les choses commencent à s'améliorer. Continue ton lavage au sel. Donc, je donne les contacts avant qu'on continue. Le 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Le deuxième numéro, 00237 680 71 0701. 680 71 0701. Le numéro du Gabon. 00237 600. Non, pardon. C'est pas le 237. 0741. Ça, c'est pour le Gabon. 0741 80 080. Donc, pour le Gabon, c'est 80 080. Pour le Gabon, vous pouvez appeler à partir de 11h. Mais sur WhatsApp, ça passe. Le lavage pour récupérer son argent marche. Tu l'as déjà fait. Ok, super. Donc, la première chose que tu dois faire, tu dois te demander où tu veux te retrouver dans quelques années. On ne devient pas docteur par erreur. Bonjour John du Canada. Le docteur s'est levé quand il était petit, peu importe son âge. Il a dit, je veux devenir docteur. Il est parti passer le concours. Il est entré à l'université. Il a étudié. Et après, il a passé plusieurs années, de 7 à peut-être 10 ans. Il est sorti docteur. Je préfère docteur en médecine. Tu veux devenir infirmière. Actuellement, tu n'es pas infirmière, tu n'as pas la capacité d'infirmière. Mais c'est une vision que tu as. Et à partir de cette vision, tu as décidé que ton temps, pour les 3-4 prochaines années, il y a des pays où c'est 3 ans, il y a des pays où c'est 4 ans. Pour les 3 ou 4 prochaines années, je vais dédier mon temps. Je vais convertir mon temps. Le temps se convertit pour obtenir ce que l'on veut quand on a une vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont le pouvoir de nous contrôler. Et là, il dit, pour vivre mieux, il faut adhérer au système. Moi, je ne suis pas anti-système, mais je suis convaincue que mon cœur bat tout seul. Regardez. Je peux décider de soulever ma main. Pourquoi ce n'est pas l'État qui a commandé ma main qu'elle se soulève? Donc, il y a Gérance qui dit qu'elle se lave depuis quelques jours avec le sel. Elle dort comme un bébé. Si on te fait croire, parce que tu es allé à l'école depuis le bas âge, on t'a programmé, on t'a fait croire. Parce qu'on ne manifeste que ce qu'on croit. Ma vie ne marche pas. Oh, on me déteste. Personne ne m'aime. Oh, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Et Jésus a dit dans la Bible que il faut que la bonne nouvelle soit d'abord prêchée. Paul a dit dans Romains chapitre... Ouais, j'ai laissé ma Bible en bas. Romains chapitre 10. Romains 10. Après le verset 17, là. Attendez, je vais vous le lire. Si on ne te dit pas que c'est possible pour toi d'être libre, tu ne sauras jamais que c'est possible. Tu vas continuer. Parce qu'on t'a fait croire que tu dois rester en prison. Donc tu vis avec la mentalité de la prison. Cela ne prend pas. Si vous voulez sortir Romains 10, vous allez voir ça. Bon, je vais laisser ma Bible en bas. On va continuer comme ça. Hein. Romains chapitre 10. La Bible dit, comment est-ce qu'ils vont croire si quelqu'un ne vient pas prêcher?
Et pour que quelqu'un prêche, il faut qu'on l'envoie. C'est pour ça que le gospel signifie bonne nouvelle. C'est juste que les gens qui sont trop religieux disent non, tu dois seulement dire aux gens que Jésus les aime tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le gospel, ça veut dire bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Tu es dans la souffrance. Tu es comme les enfants d'Israël qui sont en Égypte tous les jours en train de souffrir. Vous portez les cailloux, vous portez... Tu es là, tu es sur le chemin du boulot, tu souffres. On vit avec une bonne nouvelle, on te dit. Bertrand, merci pour les fleurs. Lazuro, merci pour les fleurs. On vient, on te dit. Tu n'as plus besoin de souffrir. Il y a moyen. Maintenant, votre problème, c'est que vous ne comprenez pas que c'est une programmation que tu as connue depuis que tu es né. Donc, te voilà. Attendez, j'ai besoin de trouver un truc ici. Tu es né, ta mère était dans le système en prison. Ton père était dans le système en prison. Tu grandis dans le système en prison. À 35 ans, tu tombes sur une de mes vidéos. Et tu te dis que dans une semaine, tout va changer. Ma chérie, si quelqu'un a pris ton argent, il faut laisser l'argent là partir. Tu as plus d'argent que tu peux gagner. Tu dois d'abord te déprogrammer. Moi, j'ai commencé ma part en 2013. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Tu dois croire que toi, la petite fille là, petite fille Boudala, Batou femme la Badjounaise, que tu mérites que tes idées et ton temps alignés ensemble. Tu dois oser croire que tu peux te libérer des malédictions qui sont sur ta famille depuis cette génération. Il faut que quelqu'un vienne te dire que c'est possible. Noëlla, merci pour les fleurs. Lyria, merci pour les fleurs. Et quand on vient te dire que c'est possible, tu vois comment ton esprit s'ouvre. Bonjour Lily, merci pour les fleurs. Tu es gentille Lily. Quelqu'un te doit 270 000 depuis 3 ans. Melvin, est-ce que tu sais que tu peux te faire 270 000 par semaine? Non, chérie. L'énergie que tu gaspilles chaque jour là, pour ruminer sur la personne. Donne-moi mon argent. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Parfois, il te donne les promesses. Tu réfléchis comment tu vas le toucher. Tu réfléchis comment tu vas l'humilier. Oh, je pars à la police. Tu fais comment? 3 ans, mamie. Ma mamie. Hein? Je reviens sur l'enseignement du temps. La première chose, tu dois oser croire qu'à partir de toi, les choses peuvent être différentes. Je sais que c'est très osé. Donc moi, je vais vous raconter un peu, c'est une sorte d'anecdote, ok? Il y a un membre de ma famille qui est venu me visiter une fois. Je sais pas, depuis que je suis petite, j'ai toujours... Je m'appelle quand j'avais même 7 ans, 8 ans. J'avais toujours, je regardais le ciel parfois, je me disais que non. Moi, ma part ne peut pas finir. Je ne peux pas finir comme ça. Je ne peux pas finir comme ça. Dès l'âge de 22 ans, quand j'ai eu ma première fille, mon père m'a coupé les vivres, on va dire. Ce qui fait que j'ai dû être forcé à apprendre à chercher l'argent. Et dans le processus de chercher l'argent, je suis tombé sur le développement personnel.
Après ça, je suis tombée sur la Bible. J'ai accepté Jésus. Ceux qui sont dans mon direct sur TikTok, vous voulez seulement les astuces pour qu'on vous rembourse votre argent là. Ne venez pas apprendre comment gagner plus d'argent. Hein. Tu as compris, mamie? Vous aimez la pauvreté. Bon, continuons. Donc, j'ai côtoyé les gens qui venaient de la haute classe. Et quand je les côtoyais, tu vois la facilité avec laquelle quelqu'un reste comme ça, il dit, peut-être faire les courses. Nous, en Angleterre, on partait à Asda, Tesco. Sainsbury, le pain à Sainsbury, c'est 1,50 £. À Tesco, c'est 75 centimes. 75 pence. Pas à Tesco. Et pas à Asda. Donc maintenant, j'avais un monsieur avec lequel je sortais en particulier. Il vivait là-bas dans un coin de riche, à Sutton Coldfield. Ceux qui sont en Angleterre connaissent le coin. Birmingham, c'est le coin des riches de Birmingham. Il n'y a pas les bus dans la rue. Donc, si tu vis dans le coin là, tu sors du bus, tu vas marcher même 20 minutes avant d'arriver dans sa maison. Donc, tu dois partir avec la voiture. Je vois le mindset de la personne. Pour aller faire ses courses, il va à Sainsbury, il va à Marks & Spencer, ses vêtements même. Like, you know, et moi, je sortais de ma petite ville de... Ça faisait peut-être 3-4 ans, j'étais seulement, j'étais au village là-bas à Tongan. J'étais à Tongan. Ben, je suis allé à l'université à 16 ans et demi, quittant de l'Ouest. J'ai fait 2 ans à Yaoundé. 2 ans à Yaoundé, je suis parti en Belgique. J'ai fait 2 ans. À Charleroi. J'allais dans une école, une haute école à Charleroi. Et de là, je suis allé en Angleterre. J'ai connu la personne un an plus tard. Donc on va dire, 5 ans avant ça, j'étais à Bafoussa. Je ne me sentais pas frustrée. Ou bien, tu vois, quand tu es à côté des personnes qui ont grandi en sachant que papa les a mis, c'était quelqu'un du Nigeria, par exemple, son père l'a mis dans des boarding schools, ça c'est quoi, des internats. Parfois, on regarde la télé. Il dit, ah, je connais Boris Johnson. I went to school with that man. Il regarde le premier ministre, il dit qu'il est parti à l'école avec lui. Je regarde ça, je dis, hein. Et c'est là que je me suis rendu compte que il y a des personnes que dans leur subconscient, il y a des choses qui sont déjà déposées. Toi, tu es là du haut de tes 25 ans ou bien de tes 23 ans. Tu rencontres ces genres de personnes. Donc, je reviens maintenant sur l'histoire de ce membre de ma famille qui est venu chez moi. Donc, ça, c'est plusieurs années plus tard, c'est-à-dire 10, 15 ans plus tard. La personne vient chez moi. Donc, je laisse mes plantes. J'ai plein de plantes à la maison. Je laisse mon chien. Ouais, Seigneur. Il n'a pas arrosé mes plantes. Je fais 2 semaines à l'étranger, je reviens. Tu n'as pas arrosé mes plantes, pourquoi? Je ne savais pas moi qu'on arrose les plantes. J'ai dit, yay. En fait, il y a des choses de base que j'ai intégrées. Et quand je me mets à côté de quelqu'un, on a grandi ensemble, on a passé les 10 premières années de notre vie ensemble. Mais de 10 ans jusqu'à maintenant, on n'était plus ensemble. Je voyais comment la personne réfléchit encore et comment moi, j'ai commencé à réfléchir. Mon subconscient, là, je travaille sur mon subconscient. Gestion du temps. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai remarqué chez ces personnes, allez peut-être, mettez-vous dehors à Douala à 6h30. Regardez les voitures qui passent devant vous. Ce n'est pas les taxis. Si vous allez voir peut-être le chef de 3 grandes entreprises qui est en route pour aller dans une autre ville, il est sorti à 4h30. Il se lève tôt. Il est focus quand il fait ses choses. Généralement, il a un chauffeur. Généralement. Parce qu'il sait que il ne va pas se mettre à conduire 5 heures de temps. Le temps de 5 heures de temps là qu'il est en train de faire un truc, il a déjà géré les employés à distance, il a déjà passé 2-3 appels. J'observe beaucoup. Si ce n'est même avec les livres et sur YouTube, vous avez accès à toutes ces choses aujourd'hui.
pouvez voir le mode de vie des gens qui ont du succès. Vous pouvez voir leur façon de gérer leur temps. Et il y en a même qui donnent leurs secrets. Seulement que vous n'êtes pas disposé pour écouter. Donc, quand j'ai ce membre de ma famille qui a réagi comme ça, je me suis assise un moment, pendant mon moment de réflexion, j'ai dit waouh. On peut être deux adultes. Merci pour les fleurs, John. On peut être deux adultes. Notre enfance jusqu'à 15 ans, on était préconditionné pour perdre du temps, pour échouer. À un moment, on nous sépare. Parfois, on peut même être dans la même maison. Hein. Mais moi, je commence à écouter des livres. Je prends mes 5 000, je pars, je paye un programme, je m'assois, je suis dans les formations, j'écoute. Ce que j'écoute vient laver mon cerveau. Ça enlève tout ce qui est... Vous voyez les programmations avec lesquelles on a grandi là. Et ça influence même ta posture. Mettez-vous dans la rue, j'observe beaucoup les gens. Allez dans la rue, vous asseyez, observez les gens marcher. Vous allez voir que un vaurien ou quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Quand tu vas le regarder marcher, c'est déjà des personnes qui à Douala, quand il y a la bagarre, il s'arrête. Il garde sa moto, il s'assoit. Il manque seulement les pop-corn pour qu'il commence à voir son film. Il n'a pas de direction fixe dans la vie. Il ne sait pas là où il part. Et je dis bien, vous pouvez avoir grandi dans la même maison. C'est le même père qui vous a élevé. À un moment, tu dis, le mode de vie de mon père, je vois là où papa est arrivé, il y a sûrement des choses qu'il n'assimile pas, qu'il a refusé ou qu'il a rejeté. Première fois qu'on m'a montré le livre « Réfléchissez et devenez riche »,« Think and grow rich », j'avais 23 ans. Ma fille venait d'avoir 1 an. Et le gars qui m'avait montré ça, c'était un fait man. D'ailleurs, 6 mois plus tard, Interpol est venu le chercher à la maison. Je vous assure, j'ai vu Interpol pour la première fois. J'étais en Angleterre. Je reste en toque à la porte. On montre, il y avait un nom bizarre, mais la photo, c'était le gars que je connaissais. Do you know this guy? I'm like, I know the face, but you know, the name, no. Interpol est venu le chercher. Comme dans les films, là, les gars avaient les chapeaux, avaient l'âge beau comme ça, là, avaient les côtes noires, là, avaient les par-dessus noirs. Là. Donc le gars m'a montré ce livre-là. Il avait un sac plein de... Il y avait au moins 50 livres dans son sac. Il me dit, tu sais, ce sont les livres qui changent ma façon de penser. C'est ça qui m'attire l'argent. C'est ça qui me donne l'argent. Je regarde. Il y avait James Allen, As a Man Thinketh. C'est la première fois de ma vie que je voyais ces livres-là. J'étais fasciné. J'ai retenu le nom. Quand il est parti avec ses livres, je suis allé en ligne. J'ai cherché, réfléchissé, devenir riche. Je n'ai jamais fini le livre-là. Je ne sais pas là où c'est aujourd'hui. J'ai pris, j'ai mis à la maison. Moi, avant, je ne pouvais pas finir un livre. Même si on disait que si tu ne lis pas, on te tue. Même pour sauver ma vie, je ne pouvais pas finir un livre avant. C'est des choses que c'est des habitudes que je n'avais pas. Et à l'époque, la personne avec laquelle j'étais était quelqu'un de très paresseux. Donc nos méthodes, nos idées de succès, c'était différent. J'ai commencé, parfois je prenais le livre, je disais, viens on lit, non. Je commence le sport, viens on fait le sport, non. Viens on fait ceci, non. On s'est séparés 1 an plus tard. J'ai passé les 8 années qui ont suivi. J'avais des abdos en acier. Le sport. Je me suis mise au sport. Je me suis... La lecture. Les séminaires. J'ai bombé mon esprit de ces choses-là. J'ai reprogrammé mon subconscient. J'ai passé... La fleur Jenny, si tu as envoyé de l'argent pour ta consultation, écris sur l'un des numéros. Tu as compris? Sur TikTok, je ne saurais qui tu es. Il y a des secrétaires qui s'occupent de ça. Donc, si vous avez payé pour être consulté,
Oh, je crois qu'on vous a dit, la période d'attente peut aller même jusqu'à 21 jours, parfois même jusqu'à 30. Il y a trop de personnes à consulter. Donc, écris à nouveau, tu envoies la capture d'écran de ton paiement. Comment gagner sa vie sans adhérer à un... Japat, ou c'est Japat le quoi là-haut. Tu es trop axé sur comment sortir du système. Tu dois d'abord changer qui tu es. Tant que toi, tu ne changes pas, tu ne vas sortir de nulle part. Tous les efforts que tu vas faire, ça va me t'enfoncer encore plus. Tu vas dire, ouais, je suis fort, tu vas arrêter le boulot. Bon, les factures vont te toucher. En repartant travailler, tu ne vas pas comprendre. Tu vas avoir même 4 boulots maintenant. La consultation pour la Côte d'Ivoire, si tu la veux immédiatement, c'est 65 000. Hein. Mais si tu vas attendre, c'est 40 000. Je rappelle, ceux qui choisissent d'attendre pour la consultation, vous allez vraiment attendre. Donc, on essaie de vous éponger le plus tôt possible. Donc, on s'est revu, cette personne et moi, on s'est revu 10 ans plus tard. Bien évidemment, la personne était toujours dans son poids, en surpoids, avec même des maladies qui ont commencé sur la personne. Je me rappelle, dans notre jeunesse, je disais toujours, fais attention, il faut faire le sport, il faut faire ceci. Mais la personne pensait que tu n'as pas besoin d'aide. Pour avoir du succès, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire. Donc, ton temps et comment tu l'utilises, c'est la première semence. Et je précise que nous sommes dans l'air. Sur mes réseaux sociaux, j'ai tellement de vidéos que si tu t'assois, tu m'écoutes seulement. Ne paye rien chez moi. Assois-toi, écoute mes vidéos. C'est gratuit. Tu vas seulement payer ton ticket d'entrée pour entrer sur Facebook ou bien sur TikTok. Entre seulement. Je rappelle le numéro, c'est le 00237 680 71 07 01. Donc, 237 680 71 07 01. C'est une chose de dire, je ne veux pas finir comme mon père. C'est une chose de dire, je veux sortir de ce quartier. C'est une chose de dire, je veux changer ma vie. Tu as mis le réveil pour te réveiller à 6 heures, non? Quand ça va sonner demain, ding, 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 c'est là qu'on saura. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des projets, des plans. Le nom sur Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E, c'est en anglais. T-H-E, espace, G-I-F-T, espace, D-I-G-G-E-R, espace, académie, avec Y à la fin. Facebook et YouTube, c'est le même nom. The Gift Digger Academy. Maintenant, vous devez premièrement commencer en vous disant, au hasard, au pif comme ça, quelle est la somme d'argent que je veux avoir le 10 octobre 2023. Et je rappelle que ta valeur monétaire, tu dois d'abord enlever. Tu vas faire la somme de tout ce que tu possèdes. Tu enlèves tes dettes. Vous suivez bien. Tout ce que je possède, tu évalues. Parce que peut-être tu as une voiture que tu avais achetée à 20 000 euros. Ça fait 2 ans. Ta voiture ne vaut plus 20 000 euros. Donc tu ne peux pas dire que tu as une voiture de 20 000 euros. Peut-être qu'elle vaut 8 000 euros maintenant. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Steph, bonjour Leila. Donc, je vais recommencer les directs sur TikTok tous les matins maintenant. Donc, tu dis que peut-être, pour déterminer ce que tu vas posséder à ce moment, tu dois d'abord faire la somme de toutes tes dépenses. Et beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas combien vous dépensez par jour. Ne dites pas au pif comme ça, je vais avoir 5 millions. Si tu as 5 millions et que tes dettes à ce moment-là, c'est 7 millions, ben tu te retrouves à moins 2 millions.
Même si tu n'as rien, tu crois que tout le monde. On est, quand tu es né ici, là, tu avais quoi? Et quand tu dis que tu n'as rien, déjà, c'est l'esprit de pauvreté. Je viens de vous dire, c'est là que tout le monde a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Supposons si aujourd'hui je n'avais rien. La première chose que je ferais, ce serait d'organiser et discipliner mon temps. Deuxième chose, ce serait de viser, d'avoir un objectif. Beaucoup d'entre vous, même pour aujourd'hui, voilà la journée qui commence, vous n'avez pas d'objectif. Vous ne savez pas combien il vous faut. Ça vous est jamais arrivé que vous avez des périodes où il y a peut-être quelqu'un est malade, il vous faut 3 millions pour soigner la personne. Alors que tu souffres pour avoir même 50 000 le mois. Ta mère va mourir. Tu n'as pas 3 millions, ta mère va mourir. Tu sors, tu boxes 3 jours, tu sors, tu reviens avec 3 millions. Alors qu'il y a 3 jours, je n'avais pas 50 000. Quand quelqu'un venait, on te demande 5 000, tu dis, ah moi, il n'y a pas l'argent, pardon. Tu as fait comment? On t'a donné un objectif. Il te faut 3 millions en 3 jours. Et on t'a mis le feu aux fesses. Tu es sorti comme un fou. J'ai eu des fois où je me suis retrouvée. On dit peut-être si tu ne donnes pas tel argent, on va te mettre en cellule ou bien je ne sais pas. Je reste comme ça, je me mets, je fixe l'objectif, tac, je travaille, pam, 1 million, 2 millions, en une semaine, 3. Je reste et dis que, hey, donc je pouvais. Hey. Il y a Diamanto qui dit merci pour le conseil d'aller à la mer. C'est vraiment très bon, gentil des résultats. Ah, c'est bien parce que vous mettez en pratique, c'est super. Parce que moi, je donne souvent les conseils comme ça, là, les gens ne font pas. Ils disent qu'ils maîtrisent. Quand ils maîtrisent, vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc, tu dois, premièrement, te dire, j'ai du temps. Deuxièmement, après le temps, tu as quoi? Tu as le téléphone. Bonjour, clavier. Vous m'écoutez sur un téléphone, non? N'est-ce pas? Tu es en Belgique, le numéro que tu dois contacter, c'est le 00237 680 71 0701. 680 71 0701. 00237 680 71 0701. Pour la Côte d'Ivoire, on a un numéro en Côte d'Ivoire. Attendez, je cherche. On a quelqu'un là-bas qui est sur place. Il va vous donner les produits. Et puis, pour vous soigner aussi. Attendez. Six. Attendez, Ivoire. Ok. Dans votre. Je ne sais pas comment vous dites. 225 plus 225. 0501. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. 0501. 490595. Benin, prenez aussi le numéro de la Côte d'Ivoire. Plus 225. 0501. 490595. Il y a d'autres numéros que je donnais avant. Prenez juste les numéros que je vous donne ici. Donc le numéro général pour tous les pays, c'est le numéro du Cameroun. 00237 680 71 0701. Ça, c'est pour le Cameroun. Côte d'Ivoire, plus 225 05 01 49 05 95. Bon, si vous n'avez pas noté, tant pis.
Bonjour Jessica. Donc j'ai dit, tu as 24 heures comme tout le monde. Deuxième des choses, tu as Internet comme tout le monde. OK? Troisième des choses, tu as besoin d'un plan. Tu peux aller sur YouTube, tu écris comment j'ai organisé son temps. Tu cherches les vidéos, tu regardes. Les affaires d'agenda, c'est là. Par exemple, voici le mien. Voilà l'agenda que j'utilise. 2022. Ça, c'est les choses que, quand on envoie les enfants à l'école, voilà ce qu'on devait leur apprendre. Comment gérer son temps. Ça éviterait que ton enfant ne rentre de l'école, il tourne. Et vous savez que vos enfants attendent toujours que vous les réveillez le matin, non? Apprenez à vos enfants à gérer leur réveil. Donc, une fois que tu as paramétré correctement ton temps, tu dois te lever tôt. Je vous ai toujours dit qu'il y a trois périodes dans la journée. Nos 24 heures comportent trois moments clés. Si tu ne travailles pas encore pour le moment, tapoter plusieurs fois pour que ça ne bug plus. Peu importe le pays où tu te trouves, j'insiste beaucoup. Tu dois te lever tôt. C'est vrai qu'en hiver, quand tu es en Europe, se lever tôt en hiver, c'est chaud. Très difficile. Pour le Gabon, c'est le 0741 80 080. Sur WhatsApp surtout. 0741 80 080. 4h30 en Europe, il fait encore noir jusqu'à 6. Il fait noir comme si c'était 2 heures. Quand tu te lèves, supposons si tu travailles pour quelqu'un, je prends le cas de quelqu'un qui travaille déjà. Pour sortir de ce système dans lequel tu es, il te faut un plan. Et ce plan, tu dois le construire et surtout tu dois le suivre. Et ne vous en faites pas. Au départ, quand vous allez commencer à suivre votre plan, vous allez tomber 50 fois. Tu vas prévoir te réveiller jamais. Tu vas prévoir te réveiller. Dès que tu vas te réveiller, tu vas te donner une excuse. Oh, il pleut. Oh, je suis encore fatigué. Tu avais prévu que, ok, je vais lire le livre aussi. Tu mets le livre devant toi comme ça là, tu penses là. Tu mets le livre, tu fais. Après, tu dis que qui va me regarder? Je n'ai pas d'examen à la fin, non. Pousse-toi, tu te couches, tu dors, tu éteins la lumière, tu dors. Je peux vous dire parce que j'ai fait ça beaucoup de fois. Mais si j'ai une capacité, hein, c'est que je ne me décourage pas. Si je peux faire ça même 50 fois, jusqu'à ce que la 49e fois, je me lève à temps. Parce que quand vous essayez au départ, vous, quand ça ne marche pas une fois, deux fois, vous laissez tomber. Tu es en train de te. Ton subconscient et toi, vous êtes en train de vous battre. Donc, si tu travailles pour quelqu'un, de 4h30 à 6h30, avant que tu ne partes au boulot, tu peux mettre ce temps-là pour apprendre quelque chose. Soit tu apprends, très important le matin quand vous vous réveillez, faites, après votre bain de sel, vous faites vos déclarations. Les déclarations t'aident à te programmer. Je me rappelle la semaine surpassée, j'ai vendu, il y avait... une fiche de déclaration que je vendais ici à 5 euros là. Je vous ai demandé d'imprimer ça, vous mettez sur votre armoire ou bien dans la chambre. Ou le miroir là où tu brosses les dents là.
Parce qu'il y a beaucoup de mensonges que tu te dis depuis des années. Tout ce que je fais, ça échoue toujours. Hein? De toutes les façons, moi, mes choses ne marchent jamais. Je crois même que je suis qui? Et c'est fou parce que quand tu ne te fais pas des déclarations personnelles, tu vas attendre que quelqu'un d'autre vienne t'encourager. Et vous savez que vous attendez depuis, non? Est-ce que les gens là sont venus? Même quand un homme vient te complimenter un peu comme ça là. Leïla, tu l'as écrit sur WhatsApp. Écrit sur WhatsApp, c'est 5 euros. Ceux qui sont en Afrique là, c'est quoi? En Afrique, c'est 1000 francs. Au Gabon, c'est 2000 francs. Voilà. C'est un fichier PDF. On t'envoie ça, tu imprimes. Soit tu dis je suis puissante. Quand je me fixe un objectif, je l'atteins. Je deviendrai riche d'ici le 20 décembre 2023. J'aurai accumulé la somme de 25 millions de francs CFA qui viendra en plusieurs formes à travers les services que je rendrai aux gens. Le service de coach, service de vendeuse, de restauratrice, service de ceci, service de cela. C'est un engagement personnel que tu prends avec toi-même. Et quand tu lis, au départ, tu auras l'impression que rien ne se passe. Peu importe le pays où vous êtes, du moment où vous écrivez sur WhatsApp, trouvez juste le moyen pour faire le dépôt au Cameroun. Tu déposes l'argent au Cameroun, on t'envoie le fichier sur WhatsApp. Tu imprimes. Et il y a des engagements que tu prends avec toi-même qui élargissent ta vision. Si tu te répètes pendant un mois chaque jour que tu vas avoir 25 millions d'ici un an, si tu vendais seulement la nourriture au coin du quartier, tu sauras que ce n'est pas la nourriture là seulement qui va m'apporter 25 millions. Pourquoi le Gabon, c'est 2000 par rapport... Ma chérie, tu as déjà vécu au Gabon. Tu sais comment la vie est chez au Gabon. Je suis au Gabon actuellement. Le loyer au Gabon, tu sais combien ça coûte. Tout ce que je rends comme service au Gabonais, j'augmente l'argent sur ça. Et ne vous dérangez pas. Mes services ne sont pas pour tout le monde. Peut-être que tu viens d'arriver, mamie. Bon, celui qui peut faire le dépôt, tu écris, tu dis que je veux la fiche de déclaration. Tu envoies ton agent. Le Gabon, c'est comme Bénin. Le Gabon ne blague pas. Je suis à Saint-Germain. Donc, si tu te racontes cela à toi-même tous les jours, à un moment, ton esprit va commencer à développer des idées. Mais au lieu de seulement, je peux élargir le petit coin là. Hein. On augmente même là-bas, on vend maintenant plutôt ça et ça. Après, on augmente encore le côté là. Mm-hmm. Au lieu de se faire 200 000 le mois, on monte à 300 000. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 5 euros ou 5 dollars. Vous envoyez ça sur PayPal, hein, PayPal. Si vous avez des cadeaux dans TikTok, vous envoyez quelques cadeaux, ça va, je crois que ça va le faire. Et puis vous écrivez sur WhatsApp, juste pour signifier. Parce que TikTok donne aussi l'argent. Quand vous envoyez des fleurs, après ça me donne des sous. Voilà. Ok. Une fois que tu... à commencer à parler à toi-même. Parce que beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous attendez que les gens autour de vous vous encouragent. Eh bien, si personne ne t'encourage, tu sais ce que tu fais? Tu t'encourages toi-même. I dey encourage myself. Ceci, tu es forte. Tu es puissante. Tu peux tout accomplir. Oui.
Pendant 10 minutes par jour, je vais concentrer mes idées pour voir la femme que je veux devenir dans le futur. Je vais sentir cette personne. Je vais être cette personne. Je vais marcher comme cette personne. Je crois que je peux atteindre tout objectif que je me fixe. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint cet objectif. Les déclarations sont tellement puissantes. Tellement. Et parfois, vous vous sabotez. On appelle ça de l'auto-sabotage. Quand tu ne travailles pas sur ton subconscient, merci pour les cœurs, Stéphane. Quand tu ne travailles pas sur ton subconscient, Stéphane, après tu peux me faire un message sur WhatsApp. Je n'ai pas réussi à avoir ton WhatsApp. Donc, quand tu ne travailles pas sur ton subconscient, tu vas vouloir faire quelque chose. Quand tu vas arriver devant la chose, tu vas être bloqué. Tu vas vouloir. Tu vas arriver devant la chose, tu vas être bloqué. Ah, moi, je vais me lever tôt. Je vais... Écoutez, hein. Les gens de prière là, oh, je prie, je prie. Voilà alors notre truc qui gâte trop les chrétiens. Ta prière est différente de tes déclarations. Dieu a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai des personnes qui me suivent ici. Et ces personnes ont toujours des difficultés. Oh, merci pour les fleurs, Stéphane. Merci pour la couronne de fleurs. Tous les autres pays, là, c'est 2 millions. Au Cameroun, que c'est 1000 francs. Si vous êtes à l'étranger, c'est 5 euros. Et si vous pensez que c'est cher, de fait, ne prenez pas pardon. Tu prends ta fiche de déclaration. Sur la fiche, tu as dit... J'accumulerai la somme de 50 millions d'ici le 15 juin 2023. Quand tu lis. Au départ, quand tu vas lire, ton corps va faire un genre. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai même pas encore 1 million sur moi. Même 500 000, je n'ai pas. Mais c'est le degré d'implication, de dédication, d'engagement. Est-ce que tu sais que si on te prend de ton environnement, on te fait traîner, marcher avec un des milliardaires de ton pays? Tu marches avec lui matin, midi, soir. Tu restes avec lui, tu vois comment il sort, il te sort 15 millions ici, là. Il vit 50 millions là-bas. Ah, j'ai une rentrée d'argent de 500 millions. Ta tête va se débloquer sur l'argent. Dès qu'on prononce 5 000 à côté de toi, tu dis, hey, 5 000 c'est beaucoup. 100 000, ah 100 000 c'est beaucoup. Béringer, je pense que tu t'es trompé d'endroit. Si tu ne connais pas l'objectif, tu es juste au mauvais endroit. Continue ton chemin ce matin sur TikTok. Il y a des choses que votre esprit ne conçoit pas encore pour l'instant parce que vous n'avez pas encore été en contact avec les gens qui ont fait ou qui le font. La Bible dit dans Révélation 12, verset 11, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. By the word of their testimony, they overcame with the blood of the Lamb and the word of their testimony. Quand on te dit que telle personne l'année passée n'avait rien, regardez-le cette année. Tu vois le milliardaire, comment il reste, il te vit l'argent, tac, tac. Il arrive, il va acheter une nouvelle voiture. En 2 jours, la voiture est là. Tu regardes ça, tu dis, waouh. Au départ, tu seras un peu choqué. Boops 11, je t'en prie. Si tu cherches les clients ici, là, ne venez plus commenter. Prenez vos contacts, vous écrivez une inbox une fois.
Ne viens pas distraire les gens avec les commentaires dans mon live. Donc, tu as vu le nom de la personne, va écrire en inbox une fois. Ok? Béranger, tu ne peux pas trouver quelqu'un en train de parler depuis une heure de temps. Tu veux que je m'arrête pour te dire ce que je t'ai dit? Tu me comprends? Je ne cherche pas les abonnés. Je parle ce que j'ai dit. I'm just saying. C'est comme si tu rentres dans une maison, tu vois les gens sont en conférence. Voilà 180 personnes qui sont assises en train d'écouter. Tu entres, tu dis, oh madame, vous dites quoi là-bas devant? Just sit down and listen. Où est la politesse dans tout ça? Oh, come on. Et je crois que ce direct a un titre. J'ai parlé du temps. Ça a un titre. Don't be disrespectful, come on. Le kit commerce coûte 65 000. C'est pour les personnes qui veulent lancer leur activité ou bien vous avez des travaux, vous travaillez en ligne. Donc je reviens au mindset, je reviens au subconscient. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a que quelques personnes qui vont comprendre pour l'instant. Peut-être tu as été, le père de tes enfants t'a quitté, il est parti. Peut-être, je ne sais pas, tu te retrouves seul. Et quand je te retrouve seul, tu es à terre. J'ai vu une vidéo sur TikTok hier, une dame disait, son mari, elle est rentrée de voyage, son mari était parti avec tout. Et là, moi, je me suis retrouvée dans cette situation en 2018. Je vivais avec mon ex-mari. Il a porté le canapé, il a porté les lits, il a porté les chaises, il est parti. Le pire, c'est qu'il a fait ça devant moi. C'est le dernier lit de la chambre de l'enfant qu'il voulait porter. J'ai dit que jamais. Tu as quand même couché avec moi dans la maison sinon. Tu pars, tu me laisses dormir au sol. Quand elle est partie, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réinventée. J'ai fait 3 mois avant de dire aux gens que je ne suis plus avec mon mari. Parce que je savais que c'est les paroles qu'on te donne qui nourrissent tes pensées. Donc quand ça t'arrive, tu dois te réinventer. I just had to reinvent myself. J'avais des mots de déclaration partout à la maison. Chaque fois que je passe, je regarde un peu le miroir, je vois. J'avais ça dans mes cahiers, j'avais ça dans mes agendas. Just everywhere. Je suis puissante. Je peux tout accomplir. Tout ce que je touche fleurit. Everything I touch works. It turns into gold. D'ailleurs, j'ai choisi une nouvelle chanson que j'ai sortie. Le refrain dit ça. I'm the light of the world. City set on a hill. Everything I touch turns in gold. Tout ce que je touche, ça se transforme en or. Maintenant, si tu es habitué à ce que tes parents t'aient dit que tu étais moins que rien, ton ex-mari t'a dit que tu étais moins que rien, tes oncles et tantes t'ont dit que tu étais moins que rien, à ton avis, qui va te dire que tu vaux quelque chose? C'est toi-même. Il n'y a que toi. Donc ne négligez pas les paroles, tes propres paroles. Goodbye, Béranger, goodbye. Ok? Personne n'est spécial sur ma page. Hein? Nobody is special. Ok? Tu dis que tu n'es pas welcome. C'est toi qui as dit que tu n'es pas welcome. Bye. Tada. Voilà, dans ta tête là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Tu arrives, tu trouves 200 personnes sont connectées. Tu veux que je laisse ce que je t'ai dit pour venir te parler. Tu vois les gens sont en train de commenter ici là depuis. Eh Seigneur, le subconscient, le subconscient. Donc ça, tu arrives quelque part, on va te mettre au travail, va travailler avec, des collègues. Ton collègue te répond, genre, tu dis non, il n'est même pas. Tu peux pas démissionner. C'est ton subconscient qui est en train de te contrôler. C'est ton subconscient qui est en train de te contrôler toi-même.
Donc, je vais résumer un peu ce que je vous dis depuis, en parlant du temps. Ce que tu fais de ton temps est déterminé par qui tu veux devenir demain. Qui tu veux devenir demain? Et vous pouvez devenir n'importe qui ou n'importe quoi. Mais ça demande de la persévérance. Ça demande de la patience. Ça demande de la discipline. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot discipline. Célestine Nedan, je ne sais même pas comment on appelle, on met les modératifs. Je ne connais pas comment on fait ça. Je ne connais pas. Mamie, tu as compris. Je te connais, tu me dis. Le mot discipline. Il y a des gens qui se sont disciplinés depuis des années à mettre de l'argent de côté. Ils se sont disciplinés à se lever tôt. Contre qui est quelqu'un ou pas. Pour l'instant, vous pensez que vous êtes discipliné parce que vous travaillez pour quelqu'un. Le jour où tu confirmes l'autodiscipline, c'est quand tu as ton compte. Il n'y a personne pour te dire que tu es venu à 7h30 ou tu es venu à 7h25. C'est là que tu confirmes. Tu confirmes le code. Vous pensez que vous êtes discipliné parce que vous travaillez chez Engie, vous travaillez chez, je sais pas, chez EDF, chez, je sais pas, Camrail, je sais pas, vous sortez, vous partez chez Néo travail. Et on a dit que l'heure d'arrivée, c'est 8 heures. Tu te traînes, tu arrives là-bas à 8 heures. Tu t'es discipliné pour que les autres te voient. Tu t'es discipliné pour qu'on te voie. L'autodiscipline, c'est quand personne ne te voit. Tu as dit que je vais finir la fête, c'est à 18h. Je vais lire 10 pages aujourd'hui. Tu commences à dire, tu commences à lire. Une page. Deux pages et demie. Il n'y a personne, non. Je peux lire ça là, demain, non. Tu fermes. Tu n'arrives pas à dormir, tu tournes sur le lit. TikTok, TikTok, TikTok. Tu passes TikTok. 2 heures plus tard, TikTok. On a les meilleurs outils aujourd'hui. Parce qu'il y a de cela 20 ans, vous connaissez les Nokia, non? Les 33 disques que nos pères avaient là. Je crois que mon premier téléphone, je l'ai eu à 15 ans. Oui. Ça sonnait. Et le 33-10 avait l'écran orangé comme ça. Ouais, j'aimerais encore voir un 33-10. Ça me manque. Quand le message venait, ça faisait tchit, tchit, tchit. Aujourd'hui, tu as tout dans le téléphone. Tout. Il y a des gens qui se font au moins 1000 euros par jour avec ça. Ça. Ça là. La vision, la discipline. Je vais encore, la semaine, si je vais un peu, je vais vraiment vous donner des astuces. Parce que si tu n'arrives pas à te discipliner, c'est parce que le désir n'est pas fort. Ton désir doit dépasser ton corps. Tu dois être fatigué quand on t'insulte. Bonjour André. Tu dois te fatiguer d'échouer. J'ai un verset que j'ai mis dans ma chanson. Single mother, no power. They told me I had no option. Single mother, no power. Et je dis, I'm an oak tree. They buried me. I grew up. I'm an oak tree. I cover the world.
J'ai passé tellement d'années en tant que mère célibataire. En Europe, dès que tu voulais commencer quelque chose, il y avait ce stigma, cette étiquette qu'on mettait sur toi. Oh, poor you, you're a single mother. Oh, it's gonna be alright. Voilà la seule étiquette qu'on me donnait. J'ai dormi sur le canapé de mon beau-frère avec mon enfant. J'étais au canapé, ma fille était sur un petit matelas au sol à côté de moi. Un moment, je me suis dit non, 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 non. I'm not gonna finish like this. Non. Au début, on se moquait de ça. Hein. Quand je parlais de Gifted Girl Academy, on se moquait de moi jusqu'à. Il y a des moments où je prenais tout mon argent, j'achetais les appareils avec le matériel. J'écoute souvent ce jeune homme-là, oui, je l'écoute souvent. J'ai commencé à écrire mes propres chansons parce que, vous savez, j'aime beaucoup le rap de Cardi B. Cardi, elle raconte son histoire, elle te fortifie avec son rap, même DJ Khaled. Allez écouter Thankful, Thankful de DJ Khaled. Le son même God Did, Thankful. Je suis arrivé au moment où j'ai dit que c'est bon. S'il faut que mon dernier centime entre là-dedans, s'il faut que je me discipline jusqu'à ce que je suis fatigué de toujours demander l'argent aux gens. Et moi, j'avais quand même un peu d'orgueil. Hein. J'avais quand même un peu d'orgueil. Donc, quand tu es orgueilleux comme moi, c'est là. Ok, tu es éthiopien, tu vis au Gabon. D'accord, Nibézélé. Merci Morgi. Tu dois être fatigué de toujours demander l'argent à ta copine ou à ton gars. Et vous connaissez ce qui se passe avant qu'on ne te donne l'argent. Vous connaissez très bien. Oh, moi je t'avais dit non. Je t'ai toujours dit non. En tout cas, quand? Il y en a qui vont venir te donner l'argent à l'hôtel. Tu arrives... Trouve-moi à l'hôtel Fanny là, où c'est l'hôtel, l'hôtel quoi là-haut. Oui, je suis là en bas. Non, monte, je suis dans la chambre 205. Kevin Laura, tu veux payer ta dîme. Tu dois envoyer ça au nom de Abbé Solo. Le nom c'est Abbé Solo. Et le prénom c'est Charles avec S. Bronson. Donc écris sur WhatsApp, on va te donner le détail. Écris sur le 00237. 680-71-0701. Donc, prends le numéro 00237. 680-71-0701. Tu arrives à la chambre 205. Avant qu'on te donne l'argent, on te dit, voilà ça non Leïla, on t'a dit que l'argent qu'on te donne, c'est parce que tu es la nounou de ses enfants, alors que vous êtes mariés. Ton désir de sortir de là où tu es doit être plus puissant que ton sommeil, que tu dors. Même ce que je dis à les humiliations que je subis souvent. Quand je subis une humiliation, je n'attaque pas la personne personnellement. Non, non, non. Si j'étais dans mon propre véhicule à cet endroit, tu n'aurais même pas pu me parler. Donc c'est ma faute. This is my fault. Si je n'étais dans ce quartier de merde, on n'aurait jamais pu se croiser en route. Quand tu me parles comme tu es en train de me parler là. Si j'étais déjà parti en Beng, si j'avais voyagé, j'étais parti à New York ou à Washington, toi et moi ne se serait jamais rencontrés. Quand tu me traites comme tu es en train de me traiter là.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y en a parmi vous, vous vivez chez les gens. Chaque soir, quand tu manges sa nourriture, tu t'insultes. L'autre dit, j'ai respecté le lavage avec le sel. Je me suis finalement fiancée malgré les blocages. Waouh. J'aime parfois que vous mettiez ces commentaires. C'est comme ça, je vais plonger ça dans les vidéos. Ton désir de sortir des injures qu'on te donne actuellement doit te pousser. Ce qui fait qu'à 4 heures, quand tu es en train de dormir, je te rappelle que parfois tu vis chez ces gens-là avec tes enfants. Hein. Oh, à 7 heures-là, on va commencer à nous insulter. 4 heures, quand tu es debout. D'accord, je devais lire le livre. Tu prends le livre, tu lis. Tu lis. Tu lis. Tu devais faire fabriquer tes propres beignets pour aller vendre. 4 heures, tu es debout, tu fais les beignets pour aller vendre. Je suis arrivée dans un circuit l'autre jour, j'ai acheté du poulet. Et je vois une dame, ça fait 2 ans qu'elle travaille là-bas. Elle a une fille de 9 ans. Elle me dit qu'elle était enseignante avant que le corona ne frappe et qu'elle quitte Bamenda pour venir. Elle était forcée d'immigrer avec sa fille. Elle a migré donc de Bamenda pour Douala. Et elle me disait, je travaille ici, mais j'ai... Elle dit, je vois des gens ici que ça fait 7 ans qu'ils travaillent. Moi, j'ai un plan. Comme je travaille ici, je me donne tel nombre de mois. Je vais créer ma part de ceci. Je me donne tel nombre de mois après ça. Je vais faire ça. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, you're smart. I like you. I like you. Elle aurait pu s'asseoir, elle se plaint de ses problèmes, non? Oh, on ne me paye pas bien ici. Oh, le père de ma fille m'avait abandonné avec l'enfant. Oh, oh, j'avais tout laissé mes choses à Bamenda. Le corona m'a fini. Elle n'a même pas dit un de ces mots. Elle m'a dit, je ne vais pas rester longtemps ici. Ça fait il y a 2 ans. J'ai accumulé assez. Bientôt, je vais faire ça, 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 ça. C'est ta vision future. C'est ce que tu es en train d'aller faire. Hi. Qui va te projeter? Qui sera ton carburant? Parfois, tes enfants peuvent être ta motivation. J'ai souffert avec ma mère. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Maintenant, me voilà avec mes enfants. Ils ont 7, 8, 12 ans. On est peut-être au centre. C'est l'État qui s'occupe de nous. Nous sommes réfugiés politiques. Quelle est la vision que tu as, ma chérie? Tu vas où? Where are you going to? C'est ça qui va gérer ton temps. Les faux draps, quand les gars vont venir te draguer, tu ne vas pas écouter. J'ai affaire. Ah non, tu ne peux pas me dire que tu es à Dubaï depuis 8 mois, tu cherches au travail. Même s'il faut aller balayer la cour, même s'il faut fabriquer les beignets, tu peux vendre aux gens. On touche tous le fond à un moment, hein. Mais comme on dit que Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Tu es là au fond, mamie. Tu vas encore partir où? Tu veux creuser encore pour entrer? Je vous dis, tout commence par la conscience de ton temps. Je raconte toujours l'histoire de cet homme-ci. Il m'a contacté. Ingénieur diplômé qui vient en Europe. Mais, il dit, je suis à terre. Depuis 6 mois, je dépose les demandes. Personne ne m'a jamais appelé pour le boulot.
Me voilà. Je suis en instance de divorce. Je n'ai pas de maison. Je squatte chez mon ami. J'ai tout perdu. Mes conteneurs que j'envoie au pays, là, à l'eau. J'ai dit d'accord. Il me contacte ce jour-là à 10h. Il me dit, je suis tombé sur votre page à 20h hier. De 20h à 4h, j'ai regardé vos vidéos. Ça veut dire qu'il a passé combien d'heures? 8h de temps à me regarder, à m'écouter. Il est tombé sur le lavage au pipi. Il a commencé à se laver avec son pipi le matin là. Donc à 4 jours avant d'aller dormir, il se lave avec le pipi. Bonjour et merci pour la fleur, la dame de lumière. Il me dit, il m'appelle comme ça à 10h30. Il me dit, depuis que je me suis réveillé de 8h là jusqu'à maintenant, j'ai eu deux personnes qui m'ont appelé pour les entretiens d'embauche. Effectivement, il est parti le jour-là. Il me disait qu'il n'a pas l'argent. J'ai dit que, monsieur, je ne peux pas te consulter. Laisse-moi. Va te laver. Quand ton argent va augmenter, tu vas venir. Il me dit que depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, chaque matin, il se lave avec son urine et du sel. Allez sur ma page TikTok, vous allez voir. Merci pour la fleur, Tisha. Il m'appelle après 4 semaines. Mais je continue mon bain. J'ai trouvé la maison. Première visite que je suis partie, je n'avais pas encore le contrat de travail pour lui donner ou les fiches de paye. Il m'a donné la maison. Le boulot que je suis partie, j'ai eu le premier boulot là. 2 semaines plus tard, on m'a proposé un autre mieux payé. J'ai quitté le premier, je suis partie sur le deuxième. Donc, 6 semaines après le premier appel, il m'appelle. Il commence un peu à crâner. Oui, j'ai maintenant l'argent pour te payer. Je vais acheter 2 kits. Je vais acheter ceci. Je ris. Il dit que c'est toi qui m'appelles si tu pleurais la dernière fois, non. Oh, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais il était déterminé. Il me dit, je priais avant, je priais, je jeûnais. Mais, j'étais simpleton. Tu vois, le genre que tu pries, tu te dis avant que non, quand j'ai prié là, c'est tout. Il m'a appelé 8 semaines après notre premier appel. Il m'a dit, je suis en train de charger mon conteneur pour envoyer au pays. 8 semaines. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Parfois, vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir vous sortir de votre trou. Personne ne viendra te retirer de là où tu es. Depuis que tu es là-dedans, qui est venu? Mon nom sur TikTok, c'est Reine Lumière. Juventus, si tu as commandé quelque chose, tu dois écrire sur la page, tu demandes. Le numéro, c'est le 00237. Prenez de quoi noter. 680-71 680-71 0701. Bonjour la reine des savanes. L'autre jour, j'atterris. Quand je prenais, j'étais en train de prendre le véhicule pour rentrer. Je vois une jeune fille au téléphone, elle se plaint. Hein? Tu me sers à quoi? Chaque fois que j'ai les problèmes, je t'appelle, tu ne m'aides pas. Hein? Tu me sers même à quoi? J'ai ri, j'ai dit que oh, la fille, c'est seulement bête. Où elle est bête? Où elle est bête? Où elle s'embête? Et tu la vois, je sentais que c'est le genre de fille qui est parasite. Hein? Tu sais à quoi? Quand j'ai des problèmes, je t'appelle. Hein? People don't care. Les gens s'en foutent de vos problèmes. Hein? 00237 680
71 07 01. Toi-même, tu peux retenir dans ta tête maintenant, là, comme je dis. Pour le Gabon, 0741. 0741 pour le Gabon. 80 080. Quand tu as tes règles, tu ne fais pas de bain. Emmanuel, merci. Juventus Djoumessi écrit ce matin. Ouais. Je pense que vous êtes encore sur une planète où vous pensez que vous allez vous asseoir à la maison, quelqu'un va venir avec un passeport qui a votre photo et le visa dedans. Il va toquer à votre porte. Toc, toc, toc. Bonjour, est-ce que Jocelyne est ici? Ah d'accord, oui, bonjour Jocelyne. Voilà un visa pour toi. L'ambassadeur a eu un rêve dans la nuit et il a vu ton visage. Et voilà, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Mais quand tu planifies quelque chose, tu apprends à utiliser ton temps correctement. Parce que tu dois d'abord te transformer de l'intérieur. You have to become. C'est pour ça que même si on porte l'argent, on te donne. J'avais mangé mon petit frère hier, on faisait des commentaires, il me dit, ouais, tu vois nos voisins, c'est là, non? Oui, ils avaient donné la boutique à leur frère. Maintenant, il a trois boutiques en Kouloulou. Je lui dis que, écoute, hein, si lui, il n'avait pas la capacité de leadership, il aurait coulé la boutique là depuis longtemps. Quand tu vois quelqu'un assis sur une chaise, sur un trône, c'est pour ça que le président, non, quand vous parlez contre le président, parlez. Vous perdez votre temps. Quand tu as les capacités pour une position, on ne peut pas t'enlever de là. Tu es là. Il y a la crise qui vient, c'est tel problème, tu gères. Peut-être vous pensez que plus les gens ont de l'argent, moins ils ont de problèmes. Parfois, quand tu vois combien un riche dépense, ça va te donner mal à la tête. Dans son village, il y a au moins 20 grands-mères dont il s'occupe chaque mois. Il y a au moins 2 orphelinats qui soutient. Il a ses neveux, ses nièces, au moins 10 en Europe dont il s'occupe. Juventus Djoumessi, écoute, tu vas dire n'importe quoi ici. Écris dans le message. Tu envoies sur WhatsApp ou tu appelles. Tu vas dire que tu as envoyé 68 000 ici là. Je vais voir ta commande comment. Ouais. Quelque chose là, je parle et vous venez encore avec vos petits commentaires là, ça m'énerve. Parce que vous vous concentrez toujours sur ce qui est petit. Vous ne devez pas ouvrir vos idées. Tout à part, c'est le petit qui est là, c'est petit, petit. Nous, on te demandait tout à l'heure que ça fait 3 ans que quelqu'un me doit 270 000.
peux avoir 270 000 par semaine. Si tu laissais les 270 000 à partir. Bon, j'ai oublié ce qu'il disait. Donc. On va voir si ça va venir. Tatou, tu dis que je prêchais l'évangile. Tu es troublé, pourquoi? C'est vous qui aimez me mettre les stigmas. Vous me mettre dans vos cases. Ne mettez pas vos cases sur moi. Moi, je ne suis pas dans la case de quelqu'un. Ne pas, tu te fais une idée de moi. Tu viens me dire que voilà ce que tu dois être. Non. Moi, que tu es un nion. Tu as compris, non? Ah, merci, Niba, Nibéa Zélé. Le riche dépense beaucoup. Le riche a compris que ce n'est pas l'immobilisation, ce n'est pas un lac qui va produire. Il faut une rivière. Tu vas arriver chez le pauvre, quelque chose est gâté, il ne va jamais arranger. Parce qu'il va te dire qu'il n'y a pas l'argent. Le riche, dès que ça se gâte, il arrange. Il achète même un nouveau. Et c'est comme ça que ça coule, ça entre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Pour les lavages à distance, vous envoyez votre photo, votre nom et votre prénom avec les sous. C'est 56 euros. Je pense que c'est tout. Vous devez absolument découvrir pourquoi vous vivez, le sens que vous voulez donner à votre vie et dans quelle direction. Quand tu découvres ce que tu veux donner comme sens à ta vie, même si tu ne connais pas, prêche pour quelqu'un d'autre, tu commences à faire ça en attendant que ta part vienne. Et il y en a parmi vous, malheureusement, vous avez été très interrompu dans votre cursus. Tu as commencé, tu étais déterminé, tu es tombé dans une relation. L'homme est venu, pouf, tu as tout abandonné, tu as suivi la relation. Et. Quand la personne, voilà, j'ai une femme là que je suivais en 2019 quand j'étais en Europe. J'ai suivi ses enfants, je les ai coachés pendant une période. Fin 2019, elle me dit, je vais aller m'installer aux États-Unis avec un monsieur. C'était rapide. On s'aime, on va se marier. Donc je reste 3 ans sans avoir de ses nouvelles. Hier, je vois un message qu'elle m'a envoyé. Elle me dit, c'est la cata. Elle a vendu sa maison qu'elle avait en Europe. Elle a porté ses 4 enfants. Elle est arrivée là-bas, elle a accouché un cinquième. Et elle est sans papier. Vous savez que les Européens aux États-Unis, vous devez avoir besoin de titre de séjour. Et maintenant, sans papier. C'est une personne que quand je l'ai laissée en 2019, elle était objective. Elle savait ce qu'elle voulait. Quand tu commences, quand tu dérailles, première des choses, tu dois te rappeler de qui tu es. Parce que parfois, on oublie qui on est. Malheureusement. Et je vous ai parlé des déclarations tout à l'heure en vous disant, c'est important que vous ayez toujours un papier, quelque chose que tu as écrit. Qui te rappelle qui tu es et là où tu vas. Parce que parfois tu rencontres un homme, une femme.
La personne vient t'embrouiller avec ses projets. Je bloque souvent les gens sur mon compte. Attendez, je vais te bloquer, mamie. Je bloque souvent les gens. Moi, je vous dis, moi, quand vous venez, vous faites un peu de comme si. Je vous bloque, moi. Tu dois te rappeler qui tu es. Il y a des gens qui s'approchent de toi à cause de ta lumière. Waouh, elle est stable. Waouh, elle va bien. Waouh, je te veux. Il te drague, il te drague. Et comme tu as oublié qui tu es, ce que tu fais, là où tu vas, tu dois avoir ton plan de vie. Et je ne vous mens pas, moi, je suis tombée là-dessus au moins 5 fois. Oui. Je fais. Après, je tombe sur une personne qui fait. Il va me dérailler comme ça là. Ouh. 6 mois plus tard, je dis what the F? Who am I? Who am I? Tu as perdu. Tu ne sais même plus qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, oh my God. Manque de confiance en soi. Peur. Là, il commence à te menacer qu'il va te quitter. Ne me quitte pas, tu es tout pour moi. Depuis quand est-ce que la personne est devenue ton centre de vie? You forgot. Tu as oublié qui tu es, là où tu vas. Tu as oublié. Voilà. Nyogo, Mvongo. 2 ans. Écoute. Si tu ne sais pas qui tu es, là où tu vas, ce que tu vas faire de ton temps, c'est comme si, je vais même m'arrêter de dire que c'est le diable qui envoie ces gens-là. C'est comme si c'est même le but de la vie en fait. On te lance, c'est quoi ton objectif? Je vais à San Melima, je vais là-bas, je vais obtenir ça. On dit vas-y. En route, on te met des tentations. Les beaux gosses, parfois ils ne sont même pas beaux, ils ont des gros ventres. Parfois, ils ont des gros ventres. Te voilà. Tu es derrière. 6 ans plus tard, tu es devenu laide. Les gens même qui te voyaient avant, on te voit, on ne te reconnaît plus. Hé, Jocelyne, c'est encore toi? Hé, maman. Écoutez, cette personne que les gens ont vue là, qu'ils connaissent, elle n'est pas morte. Je vous mets au challenge. L'être humain est programmé. Et tu peux te programmer toi-même. Et le moment où tu restes comme ça, tu as cru que tu pouvais avoir 10 millions par mois. Et le moment où tu restais même 50 000, tu ne voyais pas. Bonjour ma mère Hollande. Tu dois comprendre que cette personne en toi dormira tant que tu veux la laisser dormir. Elle va se réveiller le jour où tu vas la réveiller. Elle va sortir le jour où tu vas ouvrir la porte pour qu'elle sorte. Elle va aller agir le jour où tu vas la laisser agir. Tu peux sortir en haut, tu te mènes toute nuit, non? Tu commences à courir dans tous les sens. Ah! Bon, tu vas quand même faire quelques mètres ou quelques kilomètres avant que la police vienne t'arrêter. C'est ça, non? Ça, c'est la liberté qu'on a. Ah! J'ai souvent des pensées folles qui me passent par la tête. Souvent, il y a ce qu'on s'est dit que
Je peux sortir de la voiture si comme ça, je me déshabille, je marche, je cours dans le carrefour. C'est qui va m'arrêter? Après, je me dis, j'ai la liberté de faire ce qui est mauvais. J'ai la liberté de faire ce qui est bien. Je peux me lever maintenant, je dis que je vais être au Congrès. Je commence maintenant à défendre. Je suis à Saint-Germain, je suis à Saint-Germain. Je veux défendre le droit des femmes. Je veux défendre, je fais les pétitions. Je marche, je prends les signatures des femmes. Allez, je pars au Parlement. Yeah! Défendons les femmes. Oui! Les mères célibataires ne doivent plus souffrir au Gabon. Yeah! Personne ne va m'empêcher. Un jour, j'étais à une fête en Angleterre et on a une femme députée qui est entrée. C'est une femme nigériane. J'ai beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle d'elle. Elle avait une élégance. She has a certain. Elle avait on appelle ça stamina. Une présence. Oh gosh. Je me rappelle d'elle. Ça fait au moins c'était en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle d'elle. Ça fait 10 ans. C'est l'une des premières Nigérianes à aller à être députée. Je l'ai regardée comme ça. À ce moment-là, ma fille avait 3 ans. Je coiffais. J'étais au salon de coiffure. J'ai tiré mon enfant, la mettais sur la chaise là-bas. Tais-toi. Pendant que je coiffe, je coiffe, je coiffe, je coiffe, je coiffe. Et pendant ce moment-là, j'ai rencontré de grandes personnes. Il y avait des grandes femmes que je coiffais parfois. Et souvent, tu raisonnes, tu es en train de la coiffer. Après, tu dis, mais toi aussi, tu peux faire ça, non? Parce que j'étais encore jeune. Et je me sous-estimais beaucoup à l'époque. Je me disais, mais comment est-ce qu'elle peut voir? Regarde-moi, je n'ai même pas fini mon école quand je suis arrivée ici en Angleterre. Comment est-ce que tu peux croire que je peux aussi devenir ou je peux faire? Mais elle te dit avec une telle simplicité. Et là, il y a une d'entre elles, c'est une Congolaise. Elle m'a raconté son histoire. Je crois qu'elle était arrivée, elle avait été avocate dans son pays. Et quand elle est venue en Angleterre, on n'a pas pu convertir. Donc, elle a dû travailler encore peut-être 3 ans à l'université avant qu'on convertisse ce qu'elle avait fait au barreau au Congo. Après ça, elle s'est lancée dans les pétitions, quelque chose comme ça. Je crois qu'au bout de 8 ans, elle est passée. Député aussi, quelque chose comme ça. Et c'est ma copine qui m'a raconté son histoire parce que ma copine voulait. Elle avait été avocate au Congo aussi. Et ça faisait 3 ans qu'elle était en Angleterre et elle avait abandonné. Quand elle a vu l'histoire de la dame, ça l'a encouragée. Elle m'envoie l'histoire et dit, regarde, tu peux encore recommencer l'école. Et quand ma copine me disait comment quand elle était au Congo, comment elle était avocate. Oh, elle était comme une lionne au barreau. Tchou! Quand elle te défend un cas comme ça là. Non, tu as la chair de poule. Elle t'augmente les mots. Elle parle, elle parle. Vous savez comment elle a atterri en Angleterre? Elle avait rencontré un monsieur. Il vivait en Angleterre en tant qu'étudiant. Il n'avait même pas les papiers. Et sa mère lui mettait la pression, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Elle a donc abandonné tout ce qu'elle avait au Congo. Elle était déjà avocate. Elle a laissé sa carrière d'avocate à 33 ans. Elle est partie en Angleterre. Elle a traîné sans papier pendant 2 ans et demi ou 3 ans. Quand elle a finalement obtenu les papiers, elle a fait 2 enfants. Elle a demandé l'asile, oh, très 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 laborieux. Elle a la chance qu'au bout de 3 ans, elle a eu les papiers. Et quand c'est comme ça, on te dit, voilà, ce qui peut marcher pour toi, la seule chose qui peut marcher, c'est d'être infirmière. Elle commence la première année d'infirmerie. 2 ans. Elle m'appelle un jour et me dit que tu sais quoi? Je veux devenir avocate. Je veux devenir avocate. J'ai dit, baby girl, I don't know what to do, what to tell you. Si elle reprend, je veux devenir avocate, mon mari ne va pas accepter.
Je vous dis comment les rêves d'une femme meurent. Mon mari va dire que les enfants, le deuxième enfant a 2 ans, la première a 4 ans. Mon mari va dire que... Je crois qu'aujourd'hui, elle doit avoir peut-être 40 ans. Hein. Ça fait déjà au moins 7 ans qu'elle est en Angleterre. On a été fait 3 ans sans se parler. Elle me recontacte encore. Donc ça fait au moins maximum 12 mois qu'elle m'a contacté. Elle me dit, je veux devenir avocate. Vous savez, quand elle pense à elle comme ça, là, ça me, je sais pas, j'ai une petite tristesse dans le cœur. Parfois, Mumu, ça va bien se passer. Parfois, on n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut pour obtenir ce qu'on a demandé. Parfois, le confort est trop bien. Non, moi, je ne veux pas. Moi, je veux me marier aussi, non. Je veux. Tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Et avec le temps, je suis sûre que ma copine, là, si jamais elle se sort de l'environnement de son mari qui ne l'encourage pas beaucoup, elle se met dans un environnement où elle voit peut-être des femmes de 40 ans qui sont reparties à l'école pour intégrer le barreau en Angleterre. Elle écoute deux, trois histoires, ça la motive, elle commence à planifier. Maximum dans 5 ans, elle sera avocate. Certes, on va dire à 45 ans. Et peut-être de 45 ans à 60 ans, elle pratique. Ça fait 15 ans. Tu sais, dans 7 ans, si tu n'as pas, si tu commences tes études pour devenir médecin, dans 7 ans, tu seras médecin, probablement. Si tu ne commences pas, dans 7 ans, tu auras ton âge plus 7, mais sans diplôme. Ah ben voilà, je ne savais même pas que ça peut aller au-delà de 60 ans. Et le truc, c'est que ma copine-là, elle aimait défendre les femmes. Il dit qu'elle aime défendre les gens. Donc, c'est dans elle. Même quand elle avait demandé l'asile. Quand elle arrive souvent dans donc ça là, tu sais que les femmes qui ont demandé l'asile parfois, elles sont illettrées, tout ça là. Tu la vois toujours en train de dire que quelqu'un remplit son formulaire. Tu la vois en train de vouloir interpréter. Elle-même ne parle même pas bien anglais. Mais elle voit quelqu'un qui ne parle même pas d'anglais du tout. Elle veut interpréter pour aider la personne. Donc bonjour à ceux qui m'écoutent pour la première fois sur TikTok. Bonjour et bienvenue. Waouh, elle a repris ses études pour devenir aide-soignante. Tu avais 49 ans. Waouh, bravo Sandra. C'est vrai que quelqu'un m'a demandé comment réveiller cette personne. Cette personne va être réveillée un pas à la fois. Ne cherchez pas à faire les grands pas. Ce qui nous dérange parfois, c'est qu'on veut faire les sauts quantiques. On appelle ça quantum leap en anglais. Non, moi, si on ne me donne pas 15 millions, moi je. Non, non, ma chérie. Tu peux faire quelque chose qui te donne 400 000 francs le mois. Tu mets de côté 400 000 chaque mois. Et pour moi, je pense que s'il y a une période où tu ne peux pas encore aller à l'école, on a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en ligne. Tu as beaucoup de livres que tu peux lire. Tu te cultives. La culture générale, c'est l'un des plus grands cadeaux que tu peux te faire à toi-même. Et Zima, tu es retourné à la fac à 45 ans pour arriver jusqu'au master 2 en santé publique. Bravo.
Si tu as une famille, tu peux t'organiser. Parce que c'est ça qui bloque souvent les gens. Et si tu es déjà peut-être à 40 ans, tu as une famille, je pense que tu as quand même des grands-enfants parmi tes enfants. Utilisez beaucoup la collaboration de vos enfants. Tu peux avoir des enfants de 7 ans, hein, ce sont tes amis, tes collaborateurs à la maison. Oui. Ce n'est pas forcément que tous les jours, ce sera toujours. Non. Tu as ton enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Ce sont tes collaborateurs. Vous vous organisez à la maison pour travailler. Tu apprends ton enfant qui rentre de l'école, il s'organise, il fait comme ça, comme ça. Tu apprends l'enfant de 8 ans à préparer, non? Tu vois comment faire les spaghettis sautés. Voilà, soins et bien-être. Tu as obtenu ton cap esthétique à 39 ans. Aujourd'hui, tu as ton propre institut. Bravo, vraiment. Bravo. Tu as repris tes études à 43 ans en 2018. Aujourd'hui, tu es monté en grade. Waouh. Et moi, j'aime beaucoup quand je vois peut-être une femme commissaire, une femme. C'est des choses que j'aime beaucoup. Et je pense aussi que si les femmes s'encourageaient, au lieu de se décourager, ce serait merveilleux. Oui, ce serait merveilleux. Mesdames, n'oubliez pas la culture générale. Lisez les histoires des autres personnes, les biographies. Les biographies vous inspirent. Tu vois quelqu'un qui a fait, tu dis que moi aussi je peux faire. Si la personne s'y a fait ça, moi je peux. Me too, I can. Moi aussi je peux le faire. Madame Crush, personne ne va te booster. Personne ne viendra te sortir de là. Tu as compris, ma chérie? Nobody's coming. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Personne ne viendra. Quand j'ai compris que personne ne venait, mais je suis devenue mon propre sauveur. Je vous demande la culture générale et les biographies parce que ça va ouvrir votre esprit. De voir l'histoire des autres personnes, de voir leur parcours, leur détermination, ce qu'ils se sont dit quand ils sont retournés à l'école. Il y a Taraji, la cookie qui est dans Empire. Taraji. Elle est maintenant docteur. Elle a un honorary degree. Hein. Elle est maintenant docteur. C'est vrai que vous la voyez, elle a un langage trop fort. Elle parle comme une femme de la rue. Mais elle a eu son doctorat. C'est que l'Africain a classé certaines choses que non, quand tu arrives à tel âge, ça, tu ne peux plus faire. Ça, là, tu ne peux plus faire. Briser les barrières, changer les codes. Changer les codes. C'est ta vie, ma chérie. C'est ta vie. Est-ce que tu sais que quand tu vas mourir, on va continuer à vivre? Le jour où moi je me suis rendu compte, je crois que j'étais malade même 2 jours. Hein. Non, je vais mourir, le soleil va toujours se lever. Donc, je vais mourir et vous allez continuer à regarder TikTok. Gars, ma chérie, quand tu comprends ça, hein, tu vis ta vie.
Tu vis ta vie. Que c'est moi qui ai créé TikTok. Ouais. Si les gens vont continuer à vivre après que tu sois parti, pourquoi tu veux te limiter à cause de ces gens? Pourquoi leur opinion va t'influencer? Sandra, si tu meurs demain, je vis. Daniel, si tu meurs demain. En fait. Ah, non, non, non. Imaginez-vous peut-être que cette nuit-là, je ne suis plus là. Demain, vous allez dire, ah, je ne vois plus la femme, c'est depuis, je ne vois plus elle. Vous allez continuer votre vie, non? Quelqu'un qui va continuer à vivre sans tenir compte de toi, tu laisses son opinion t'influencer. Ça, c'est de la prison. Et la pire des choses qui peut t'arriver, c'est de mourir. You just die. Tu meurs, non, c'est tout. Tu meurs, non. Tu meurs, non. Écrivez ici, là, je vais mourir un jour, c'est tout. C'est tout, hein. Tu meurs, c'est tout. Donc, quand tu dis que tu ne veux pas vivre ta vie pleinement, tu ne veux pas tenter pour voir si tu vas, si tu vas arriver ou pas. Moi, j'ai banalisé la mort dans ma tête. J'ai banalisé la mort dans ma tête. Vous m'avez menti. Et ça, quand je vais mourir, je vais aller continuer ailleurs, c'est tout. Voilà, on mange le contraire. C'est tout, non? Tu continues ailleurs. Maintenant que cette idée te fasse comprendre que tu dois marquer, tu dois mettre une empreinte. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que vous aurez tiré une meilleure gestion de votre temps, de ce que j'ai dit. Ok. Je vous souhaite une bonne journée. Dans le seul marche pour toi de Campo, tu as été retenu le seul parmi 80 ingénieurs. Bravo! Bravo. Donc je donne le numéro une dernière fois. 00237 680 71 0701. Deuxième numéro, je répète le premier. 00237 680 71 0701. Donc 00237 693 50 22 66. 693 50 22 66. Pour le Gabon, c'est le 07 41 80 080. 07 41 80 080. Retenez juste, c'est facile à retenir. Merci pour les fleurs, Marie. Bon, ceux qui veulent partir, partent maintenant. Je vais faire des lectures maintenant. Je ne lis pas les signes sur la paume de main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser sur TikTok? Ou bien un témoignage? Camerco. Gold Texture. On va voir qui vous devez parler. Merci pour les fleurs, Marie.
Ça Bonjour. va? Bonjour. Je ne t'entends pas. Bonjour, ça va? Tu as bien dormi? Oui, allô? Tu m'écoutes là? Oui, je t'écoute, monsieur. Bonjour. Bonjour, maman. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, ma chérie. Oui, je m'appelle Sarah Manuel, je vous suis souvent et j'avais aussi des questions à vous poser. Je vous ai suivi quand vous avez dit à propos de... Allô? Je sais pas si c'est ma connexion qui n'est pas bonne. Allô? Bonjour. 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 Moi, c'est Nadège. J'ai suivi un petit peu, j'ai pris votre direct un peu en cours en fait. Bonjour, Donc, ma j'ai chérie. suivi un petit peu les explications que vous avez données par rapport à la confiance en soi. Donc, je m'y retrouve vraiment parce que parfois dans la vie, on n'a pas souvent confiance en soi. On a peur de prendre certaines décisions. Donc, c'est un peu difficile, hein. Donc, c'est un petit peu ce que je vis actuellement. Donc, il y a un petit peu de manque de confiance en moi. Donc, c'est pas évident de prendre souvent des décisions, des choix de vie. Oui. Je vous ai suivi dans le passé sur Facebook, mais là, je vous ai retrouvé sur TikTok cette fois-ci. Donc, j'aimerais un petit peu... savoir un petit peu comment ça se passe les temps de purification et tout. Bon, tu viens de tomber sur ma page, donc tu vas aller regarder les vidéos, parce que j'ai plein de vidéos où j'explique les bains. Si je dois t'expliquer ici, tu pourras regarder et ce qui te parle, tu vas utiliser celui-là. Donc, ce qui te résonne avec toi, tu vas le faire. Il y a le bain de sel, le bain de pipi, le bain de romarin, cannelle, noix de muscade. Tu pourras regarder, tu vas. Toutes les vidéos sont sur le TikTok. Non, je vois que tu es un peu confuse. Tu ne. Ça veut dire que soit tu es ton environnement d'abord. Tu vis avec qui? Je viens à Rennes. Vous êtes marié? Bon, pourquoi tu as commencé à vivre avec lui? Quelles étaient tes intentions? Effectivement, c'était faire une vie en couple et puis voilà. Construire quoi? Vous voulez faire quoi ensemble? Vivre ensemble et puis voir si on peut se marier plus tard. Ça, c'est parfois l'erreur qu'on fait. On se lance parce que ça résonne bien. Parfois, je pense qu'il faut aussi se questionner quand on veut faire quelque chose. Pourquoi je veux faire ça? Parce que tu te retrouves avec quelqu'un dans une maison. Si votre désir de vos projets ne sont pas plus forts, quand les problèmes vont venir, vous allez vous accuser l'un l'autre. C'est ce qui Voilà. se passe. Ça n'avance pas à cause de toi.
Ouais, tu m'avais promis telle chose. Et parfois, quand on est dans l'engouement, de l'émotion, on dit des choses qu'on ne peut pas faire suivre avec des actes. Exactement. Tout à fait. Donc, il faut d'abord se retrouver. Je vois que tu ne sais pas d'abord ce que tu veux. Et c'est important pour toi parce que pour que tu te retrouves, il faut d'abord que tu t'instruises. Pas forcément l'école, hein. Donc, j'ai parlé de se documenter, j'ai parlé de lire, d'écouter des. Par exemple, quand tu te mets dans un direct comme celui-ci, tu te mets ici 30 minutes, ça te permet de canaliser tes idées. De voir vraiment, Exactement, est-ce ça que m'a là fait où je beaucoup sens, de t'es bien. parti là même? Est-ce que c'est même là-bas que je veux partir? Parce que le but de quelqu'un dans la vie, c'est pas de se mettre avec quelqu'un et de faire des enfants. Hein. Ça, c'est pas le but de la vie. On n'est pas né pour faire des enfants. Exactement. Tout Donc, à il y a fait. ça qui te manque. Et puis, je pense que tu as besoin d'un moment de réflexion personnelle pour savoir exactement. Et malheureusement, quand tu es déjà enlacé dans une relation comme ça, on ne peut pas changer l'autre personne. Très difficile, il faut s'adapter peut-être, je sais On pas. s'adapte. Du coup, tu vas voir que le choix que tu avais fait au départ n'avait pas été mûrement réfléchi parce que toi-même, tu ne savais pas ce que tu voulais. C'est ça. Donc, toute personne qui t'a voulu, tu es aussi seulement partie. Exactement. Donc, je ne veux pas te décourager, mais je veux juste que tu commences progressivement à te recentrer. Quand tu vas commencer, ça va commencer une petite bagarre à la maison. Si vous bagarrez même déjà, mais ça va commencer parce que, supposons que tu commences à te discipliner, tu te réveilles à une certaine heure. Tu commences à dire, voilà, je veux faire ça. Tu commences à apprendre quelque chose peut-être. L'autre personne n'était pas D'accord. habituée à ça. Du coup, il y a de fortes chances que vous allez vous séparer plus tard. Je précise déjà, le but de la vie, ce n'est pas la relation. Je sais qu'il y en a pour vous, c'est ça. Oh, je suis mariée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire chez toi. Donc, écoute déjà les vidéos, commence à faire les bains. Donc, s'il y a des choses qui t'attachent dans cette relation, ça va quitter progressivement. Parce que parfois aussi, on a des malédictions générationnelles qui nous lient à quelqu'un. Parfois, on a des attaches d'âme malsaines. Tu veux quitter la relation 5 fois, 10 fois. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu Ça reviens. n'arrive pas. Exactement. C'est ça. Donc, il y a autant de choses. Et on ne quitte pas seulement parce qu'on part. Tu pars où? Même si tu le quittes, tu vas où? Tu veux faire quoi? C'est ça. Tu veux faire quoi? C'est ça. Et tu n'attendras pas que quelqu'un te dise ton Exactement. pourquoi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Parce que si quelqu'un te dit, à un moment, tu seras découvert. Oh, c'est toi qui m'avais dit de faire ça. C'est bien quand l'idée vient de toi, quand le désir vient de toi-même. Vraiment, merci. Donc, je sais pas, on dirait que ce matin m'a beaucoup apaisée. J'étais dans beaucoup de réflexions et puis un petit peu compliqué. Tu dois aussi changer ton langage. Tu es très. Tu vois les choses comme elles sont. Tu as compris. Encourage-toi. Quand je vous parlais des déclarations tout à l'heure, j'ai dit c'est toi-même qui dois t'encourager. Personne ne le fera pour toi. Ce ne sera pas lui. Moi, je peux mettre que mes vidéos ici. Et ce ne sera pas moi. Donc, c'est toi. Ok. Bon, je te souhaite beaucoup de courage. Et tu passes une bonne journée. Merci beaucoup. D'accord, t'as plus rien. D'accord. Il faut regarder les vidéos, Merci. tu fais les bains. Très important. D'accord. Bye. Je manquerai pas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Bon, madame. oui, bonjour. Oui, excusez ma connexion. Sinon, je disais, j'ai l'habitude de suivre vos vidéos. Et la dernière fois, j'ai suivi que je n'ai pas le courage, que je n'ai pas le courage de le faire deux fois parce que je sais pas pourquoi. Mais la dernière fois, ou peut-être parce que je manquais de trucs que vous mettez à la maison. Mais la dernière fois, une tentative,
m'a demandé d'acheter le sel que vous avez mis là en couleur. Mmh. J'avais acheté et j'ai mis à la maison. Et après, j'ai vu votre vidéo où vous parlez d'ouverture du mois. Je pense que c'était le 30. Et après, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, OK, parce que j'avais tout à la maison, la cannelle, le miel, le lait, tout, le sel. Puis je me suis dit, OK, d'accord, je veux ouvrir mon mois comme ça. Mais le premier, j'ai essayé, j'ai même mis l'alarme. L'alarme a sonné, je n'ai pas attendu, alors que le téléphone était à côté de moi. Le 2, encore la même chose. Le 3, la même chose. Le 4, je me réveille, l'alarme me réveille, mais je m'endors. Le 5, encore la même chose. Le 6, la même chose. Le 7, la même chose. Tu te laves au sel. Alors, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Pardon? Tu te laves avec du sel. Bah, je me lave. Bon, en fait, moi, je voulais le faire à 4 heures. Mes heures passées, normalement, je me réveille à 4 heures parce que mon frère va au boulot à 4 heures et Tu te il vient laves me avec le déranger à sel, 4 heures. oui ou Même non? son dérangement. Bah, je ne me lave pas avec, mais je voulais commencer Non, non, avec non, non, l'ouverture écoute, il du n'y a pas mois. de je voulais. Soit c'est oui, soit c'est non. Donc c'est non. Non, je ne me lave Voilà. pas avec. Je me suis lavé avec une fois. Et après, j'ai eu Ouais, cette Seigneur. lourdeur. Ma chérie, que ton oui soit oui, ton non soit non. Je me lave pas avec. Voilà. Vous devez être plus intelligent que votre propre corps. Quand tu veux changer certaines choses, c'est comme s'il y a des forces qui veulent t'empêcher. Donc tu dois être conscient de ça. C'est pas comme s'ils vont t'encourager. Oh, lave-toi avec du sel. Oh, verse la cannelle chez toi. Oh, Tu es en train d'aller à l'encontre de quelque chose, surtout quand ça va t'aider. Donc, tu dois être plus malin que tes propres esprits qui t'embêtent là. S'il le faut, mais tu te laves quand même chaque jour, non? À côté de ton gel de douche, tu vas mettre le sel juste à côté. Tu peux mettre ton sel dans de l'eau, tu mets dans une petite boîte. Tu déposes à côté de ton gel ou de ton savon. Quand tu envoies la main pour prendre le savon, tu prends le sel en même temps. Le truc, c'est que vous êtes. Quand tu dis que tu vas faire à 4 heures, tu vas faire à ceci. Même si c'est à 12 heures que tu te rappelles, va faire à 12 heures. Même si c'est à 13 heures, va faire à 13 heures. Ne mets pas le temps sur ça. Dis-toi que toute heure que l'eau va toucher mon corps, je vais mettre le sel dans l'eau pour me laver avec. Tu commences par ça. Soit tu mets dans une petite D'accord. boîte, quand tu viens te laver, tu verses sur ton corps. Donc quand tu me dis ça, et puis je suis sûr que comme tu n'as pas pu faire ça ce début de mois, le mois prochain, tu vas sûrement abandonner. Le mois prochain, les 7 premiers jours, tu vas encore remettre ton alarme. Tu vas parler que s'il y a n'importe quoi qui m'empêche. Je déclare que mon esprit va se, mon corps il va s'élever. Voilà. Tu dois Merci, être. madame. Et je voulais. N'abandonne pas. Non, attends, tu veux déjà partir sur autre chose. Parfois, ton problème, c'est vraiment une seule chose, mais tu penses que c'est 50 choses. Et je vois que tu es quelqu'un que tu es très. Tu n'es pas stable. Tu es facilement éparpillable. Concentre-toi d'abord sur ce que je viens de te dire là. Même la cannelle que tu voulais mettre à la maison là, c'est pas ton problème. Prends d'abord le sel, tu te laves avec fidèlement chaque jour. D'abord ça. Ne demande rien d'autre. Merci, madame. Quand tu n'as Comme pas ça, j'ai gardé grandi. aussi votre numéro. On va parler encore. D'accord, pas de problème. À chaque fois que j'aurai de problèmes, j'aurai de soucis, je veux vous écrire. Pourquoi tu m'écris seulement quand l'esprit a des soucis? Tu m'écris pas quand tout va bien aussi. Je veux écrire, même des témoignages, tout ça, je veux écrire. Ça peut aussi aller bien, tu m'appelles, non? Tu me dis, oh, je vais bien, ça va, ça se passe. Oui. Donc, vous voulez seulement me donner une mauvaise nouvelle chaque D'accord. jour. Moi, je vous suis depuis Kinshasa. D'accord, ma chérie. Bonjour à toi. Bonjour Je à vous suis Kinshasa. depuis Congo. Merci beaucoup. Merci. Bye Merci, madame. bye. Merci à vous. De rien. Bonjour, maman. Bonjour. Ok,
Rapproche un peu m'appelle ton Patrick. téléphone, je ne t'entends pas trop. Ok, je disais, je m'appelle Patrick, je vis en Turquie, à Istanbul. J'avais une question que je voulais mettre parce que vous avez parlé du pain du sel. Bon, je fais le pain du sel. Bon, mais depuis là, je n'ai pas de résultats. Bon, j'aimerais savoir si c'est dû à quelque chose ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Chacun a son niveau de blocage, papa. Tu as compris? Peut-être tu as le blocage plus, plus, plus. Le sel, c'est le niveau 0. Toi, ton blocage est au niveau 5. Tu comprends? Ajoute le pipi Je dessus. suis bien. Fais avec du pipi. Tu me suis? Très bien, très bien, je t'appelle ça. Tu vis chez qui là-bas? Faites très attention, vous qui vivez chez les gens là. Je sais que quand vous êtes à l'étranger comme ça, c'est Dubaï, Turquie, vous êtes avec beaucoup de personnes à la maison. Parce qu'il y a aussi des personnes qui volent votre énergie dans la nuit. Je crois que c'est aussi l'un de tes problèmes là-bas. Tu as une bonne étoile, mais tu es exploité actuellement. Donc Qu'est-ce que rajoute vous du dites? pipi dans ton sel avec Comment lequel faire? tu te laves là. Ta mère est où? Décédé. Ouais, je me disais bien. Papa, maman. Pardon? Tous les deux sont décédés. Ouais, tu es exposé en fait, tu es exposé. Il faut faire un don peut-être dans un orphelinat. Cherche à faire un don ou un salaka là-bas. Rajoute du pipi dans ton bain là. Ce sur quoi, avec quoi tu te laves. Le travail qu'il a fait pour toi est très profond. Tu es enterré. C'est pour ça que tu es même bloqué d'ailleurs là-bas. Et on t'a un peu set up. Tu es un peu comme si tu es dans un coin. Tu es coincé, on va dire. Plus tu essayes, plus ça ne marche pas. Mais tu as un désir aussi très fort. Donc, il faut que tu puisses. Mais vraiment, ton désir, n'abandonne pas. C'est les dons qui vont t'aider beaucoup. Il faut beaucoup. Donne beaucoup. Donne beaucoup. Si tu as quelqu'un dans ton pays d'origine qui peut te faire un salaka à ton nom, tu envoies ton argent. Il te fait ça. Et j'avais parlé dans mes vidéos aussi de faire la libation, non? Demander l'aide de vos ancêtres. Toi, tu dois faire ça aussi. Allô? Je vous écoute et je vais les appliquer. N'oublie pas le pipi. Le bain de pipi va beaucoup te détacher. Il y a beaucoup de trucs sur tes articulations. Tu es beaucoup attaché. Bon, je donne souvent les numéros aussi. Tu peux prendre les numéros. Il y a aussi beaucoup de vidéos. Je donne trop de contenu dans les vidéos. Donc, va sur Facebook, tu regardes les directs, regarde beaucoup de mes vidéos. Tu vas apprendre. Et puis, fais les dons là. Les dons là, ça va faire que les anges, tes anges, campent autour de toi. Pardon? Oui, voilà mon contact, non. Mais en inbox, là, c'est très chaud de m'avoir. Hein. Je suis très rarement en inbox. C'est les secrétaires qui répondent. Mais écris quand même, il y a des gens qui ont la chance, ils tombent sur moi. Donc le 00237 693 50 22 66. 52 22 66. Oui. 693 50 22 66. D'accord. Bon, bonne journée, non. Merci. Vous savez pas comme souvent vous avez des blocages. Souvent,
quand quelqu'un te voit comme cela. Vous savez, il y a les... Vous vivez parfois les sorciers là-bas en Benki, vous voyez bien, mais... Le nom de Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E, espace, G-I-F-T, espace. Écrivez un peu ça ici, pardon, vous postez. Merci pour les likes, Stéphane. J'allais dire quoi? Le numéro du Gabon, c'est le 0741-80-080. Il faut que j'aille manger. Non, Ben est fait parsemé de sorcières. Parfois, vous êtes dans un camp comme ça, là. Il y a une fille qui m'a appelé une fois de l'Italie. Elle me dit qu'elle avait une fille de la Roumanie. Elle dit qu'elle est convaincue que la fille, là, c'est une sorcière. Elle dit qu'elle se réveille souvent la nuit comme ça, là. La femme, là, assise sur son lit, elle la fixe. Ouais, Seigneur. Dis ça va que, ouais, vous ne savez pas. Vous savez pas vos sorciers qu'il y a là-bas. Et ces gens-là pratiquent. Quand vous vous sortez du Cameroun ou de vos pays-là, vous ne faites rien du tout. Vous fuyez seulement, vous ne parlez pas avec vos parents. On ne fait rien pour vous protéger. Parce qu'à la base, Dieu a donné les traditions de chaque continent. Donc quand vous êtes sage, vous mettez vos traditions en place. Pour le Gabon, c'est 0741. Ce n'est pas 077. 0741. 80-080. Donc c'est 1-7. Oui, oui. Non, papa, il faut que tu partes. Papa, j'ai mon dernier fini. Moi, je n'ai pas beaucoup d'énergie à dépenser sur vous le matin, vraiment. Ça fait 2 heures que je suis en direct. Donc, je n'ai même pas pris une autre personne après toi. Parce que je vous connais. Quand vous allez venir, ça, vous allez commencer à vouloir sucer mon énergie le matin. Là, je suis pas. Je vais aller manger. Donc, vous devez être très vigilant. Je vous le dis toujours. Vous devez être très vigilant. Vous avez des pays où ça porte un autre nom chez eux. On peut faire les bains de pipi quand on est enceinte, oui. Ça porte un autre nom chez eux. Mais il y en a qui font des voyages astro. Il y en a qui se mettent comme ça. Ils décident que tous les gens qui sont dans le coin, là, ils vont prendre vos énergies. Il se concentre chez lui. Il part, il puise. Et toi, tu es dans le coin, tu ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de pratiques. Les blancs sont très disciplinés dans ces affaires-là. Hein. C'est vraiment le noir, lui, il est déraciné, déboussolé. Alors que si tu lançais ta poule un peu là, si tu faisais ton petit culte aux ancêtres là, il part sur la tombe dans les films, il parle, il dépose la fleur. Il part même fumer, il donne la cigarette de l'ancêtre là-bas. Toi, tu ne comprends pas. Le nom de Facebook, c'est The Gift Digger Academy. Ils ont déjà écrit, Clarisse. Parce que tu étais distraite. Bon, on va se parler seulement le soir. Ok, maman.